Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir. Tous à la cima ma pinga na biso, cima ba service na biso, ya défense et ya sécurité, totalement. C'est constitutionnel, article 63 de la Constitution. Totalement, biso nyon se longo na ba maye nyon so toza nango pour te mettre Rwanda dehors. C'est-à-dire, tant qu'on est dans le monde politique, on a toujours la patience, la fidélité et la loyauté paye. La République démocratique du Congo, le pays ami de votre pays, est victime de la politique de l'apartheid que vous avez connue en Afrique du Sud. La seule différence est que cette fois-ci, c'est l'apartheid de noir sur les noirs. L'apartheid de Paul Kagame avec toute sa bande sur les Congolaises et Congolais. Plusieurs faits le démontrent. Alors que nous sommes un pays continent appelé avec 9 frontières à vivre en harmonie au cœur de l'Afrique pour que nous puissions nous concentrer. Nous centraliser sur le développement de pays africains. La démocratie du Congo, par exemple, est conditionnée pour l'achat des armes afin d'assurer sa défense à des autorisations des Nations Unies, à l'information, je ne sais quoi dire, alors que le pays agressé a toute la liberté pour acheter des armes, avoir toutes les armes qu'il veut, et dans un objectif d'agresser la République démocratique du Congo, de piller les richesses de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un pays, le monde étant devenu un village planétaire, nous sommes appelés à vivre en harmonie avec tous nos voisins, tout le pays ami, et coopérer par de voies qui sont de voies légales, qui veulent obtenir nos ressources naturelles ou nos ressources de l'agriculture par la voie légale. Mais prétendre d'utiliser la violence, prétendre d'utiliser les armes pour tuer afin d'obtenir les ressources de la République démocratique du Congo, nous disons à travers vous, nous vous demandons d'être notre message et faire comprendre à la communauté
communauté internationale que plus de 60 tâches des Congolais et des Congolais sont devenus majeurs. Ils n'accepteront jamais en aucun cas une politique qui les soumet à l'esclavagisme, qui les soumet à des traitements inhumains et dégradants. Mais des génocides, parce que nous n'avions pas à cacher, c'était l'extermination de toute une tribu, toute une ethnie, tout simplement parce qu'il faut les exterminer et amener des étrangers occuper ce village, étant donné que ce village est égorgé des ressources minières. Et voilà donc la situation que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République. Si vous voyez des remous dans l'opinion, au Conus, nous préférons faire la politique sincère, la politique d'honnêteté, la politique d'un traitement d'égal à égal avec nos partenaires. Vous n'êtes pas du président Macron, qui est le président de notre pays, c'est parce que l'image est là de peuple à travers cet échantillon. Et que la France soutient l'insoutenable. C'est de mettre fin à cet état des choses pour que, ensemble, nous puissions développer notre continent, nous puissions avoir des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et tout le pays du monde qui le souhaite, et des relations d'amitié, de paix. Encore une fois, nous vous disons merci pour cette visite. Nous espérons qu'il y en aura d'autres visites qui feront en sorte que nous puissions resserrer nos liens entre la République démocratique du Congo et la France. Resserrer nos liens entre le parti Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité et votre parti politique dont je soutiens la vigueur, la ténacité, l'expertise, l'expérience de son chef que je suis presque tous les jours et dont je salue l'idéal de sa lutte. Je vous remercie. Et la population française qui apporte tout son soutien à travers ma voix au peuple congolais. Je suis membre du parti de la France insoumise, comme l'a rappelé l'honorable. Et vous avez les salutations les plus sincères du leader politique Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon vous salue, peuple africain, et il est solidaire dans sa chair, de l'intérieur, de tous vos maux. Et quand on parle de vos maux, c'est M-A-U-X, vos malheurs, qui se déroule à l'est du Congo. Oui, l'intégrité du Congo n'y est pas. Oui, le Rwanda est un pays agresseur. Et encore une fois, mon parti politique, la France insoumise, condamne avec les mots justes et forts cette agression. Avec la France, je l'entends, nous entendons. Je m'exprime en français et vous me comprenez. Congolaise en France est évaluée à 100 000 personnes. Mais je pense qu'il y a le triple en France. Et je suis le fruit de la diaspora congolaise. Je suis né en France de parents congolais. Quoi de mieux que d'avoir un responsable politique d'origine congolaise pour parler de la situation internationale au Congo? On ne peut pas faire mieux. Vous avez un député français qui connaît vos problèmes, qui connaît la situation. Et je reprends sur le chiffre. 100 millions d'habitants au Congo. Un Congolais sur deux parle français. Et d'ici à 2030, 2040, 2050, il y aura plus de locuteurs au Congo, locuteurs de français au Congo, qu'en France. Les députés, que ce soit les députés congolais ou les députés français ou de n'importe quel pays, défendent les intérêts de leur peuple.
et l'intérêt du peuple français, c'est d'avoir la paix dans un pays partenaire, dans un pays frère. Et je dis frère pourquoi? Ce matin, j'étais à l'Assemblée du peuple avec les sénateurs et vos honorables députés. Les Congolais exigent une parole forte de la France, mais pas des États-Unis. Les Congolais veulent une parole forte de la France, mais pas de la Belgique. Les Congolais veulent une parole forte de l'Angleterre, mais pas de l'Angleterre. Et les décalages horaires, même pas, mais c'est l'avion. Vous voyez que vous êtes exigeant avec ce pays, et c'est pour une raison. Ce pays aussi, la France, il y a des rues, des quartiers où il y a uniquement des Congolais. Et vous le savez, vous avez des frères, des cousins, des cousines qui sont en France. Il n'y a rien de mieux que d'alimenter ce lien, d'alimenter cette amitié et voir des drapeaux français brûlés ou des drapeaux russes brandis n'a pas de sens. Je vous explique pourquoi. Il faut aller vers une amélioration d'une situation. Le peuple français est solidaire. Vous pouvez avoir un gouvernement français, un président qui est un peu timoré, timide, ne va pas assez en avant, comme il l'a fait en Ukraine. Mais il faut savoir que le pouvoir exécutif est contrôlé par le pouvoir législatif. Et à l'Assemblée française, qui représente le suffrage universel des Français, la majorité, je vous le dis, la majorité est solidaire des Congolais, de façon transpartisane, peu importe les partis politiques. Devant des images de viol, d'exactions, de mutilations, le peuple français est solidaire, dans sa majorité. Et si ce n'est pas le cas, nous, par le biais du travail législatif, nous ferons plier le gouvernement français et l'exécutif. Nous déposerons dans quelques semaines une proposition de résolution pour condamner l'action de la République du Rwanda qui soutient les rebelles, les terroristes et agresseurs du M23 en RDC. Et pour réaliser ce type de projet législatif, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une pression. Et vous avez encore une fois une diaspora congolaise en France qui peut aussi mettre une pression politique directement sur le territoire français. Et pourquoi fermer ce lien? Pourquoi aller vers la Russie? Y a-t-il autant de Congolais, la diaspora, en Russie ou en France? En France, nous sommes d'accord. Y a-t-il un élu d'origine congolaise en Russie? La réponse est bonne, il n'y en a pas. Alors, je ne serai pas plus long, chers frères, chères sœurs du peuple africain, vous êtes l'avenir. 29 pays du monde ont la langue du français comme langue officielle ou co-officielle. Vous serez, et vous êtes déjà, un pays solution pour nous les Français. Vous avez la jeunesse, l'intelligence, la richesse du sol, la richesse de la créativité, la richesse culturelle, l'endurance, du bruit pour vous. Cette qualité, dans le monde entier, les Congolais sont reconnus par tous et par toutes. Il faut l'entendre. Ce soir, en Belgique, en France, en Italie, au Portugal, aux États-Unis, en Chine, les Congolais sont reconnus. Je sais que vous souffrez de différentes difficultés. Et l'appui des résolutions politiques, des intérêts politiques doivent remettre l'humain au centre.
Nous sommes au-devant de différentes crises écologiques. Le monde néo-capitaliste nous mène à sa fin. Dans différents pays, nous prenons conscience que l'école, l'accès aux soins, l'hôpital, les questions encore une fois écologiques sont les éléments importants. Et quand on remet l'humain au centre, quand on repart dans la simplicité, quand on voit la situation du pays, de la RDC, où malgré toutes les peines et les misères que vous avez, vous restez debout, fiers, à vouloir conserver ces frontières, à genoux aurait déjà cédé. Vous n'avez pas cédé. Et nous, acteurs politiques de l'avenir, parce que oui, aujourd'hui en face de vous, vous avez un acteur politique de 32 ans, d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, d'ici à 15 ans. En face de moi, il y aura peut-être une députée, un futur président, une présidente ou une sénatrice. Et avec ces personnes-là à qui je souhaite de réussir, je me souhaite la même chose. D'aller vers d'autres mandats. Et à ce moment-là, les relations seront encore améliorées et pas rompues. Il faut conserver le dialogue avec la France. Car vous êtes aussi la France. Soyez convaincus, vous êtes la France, vous parlez français, vous chantez parfois en français, et grâce à vous, la culture française aussi grandit dans le monde, de par sa richesse. Vous êtes talentueux et talentueuses, chers amis. Gardons le lien, gardons cette amitié. Allons de l'avant ensemble. Je vous remercie. Merci. Et au revoir. On m'en est député. Les changer avec la jeunesse. Ce qui est important surtout, mon discours est défait. Prenez la vie des jeunes et des mamans qui sont présentes et des papas. Leur avis est important. Moi je suis convaincu que la France doit être avec le Congo, côte à côte, avec un partenariat sain. J'espère que mon discours a été compris, mais vraiment, prenez la vie de la jeunesse congolaise, de la jeunesse africaine. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Les airs futurs du Congolais qui ne sont pas d'accord avec l'arrivée du président français au Congo, qu'est-ce que vous, étant que député français, pouvez dire à ces futurs de jeunes Congolais? La France et le Congo sont des pays frères et sœurs. On se comprend dans la même langue. Il y a des Congolais qui vivent en France, qui ont fait leur vie en France. Encore une fois, c'est une force. Les choses peuvent s'améliorer, s'arranger en restant unis. Mais si on se tourne le dos, on n'avance pas. Le Congo n'a rien à voir avec la Russie. Le Congo a à voir avec la France. D'abord, je salue la visite de mon collègue Carlos au siège de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité Fonus en sigle. Mon collègue a échangé avec la jeunesse de Fonus. Et vous l'aviez suivi. Nous, partout où nous passerons, en tant que représentants du peuple, en tant qu'élus, nous ne pouvons que présenter les desiderata de ce peuple congolais, de ce que ce peuple vit aujourd'hui. Et vous savez que dans l'opinion congolaise, une majorité écrasante pense que la France est en train de soutenir le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. Et donc, nous avons tenu à faire ressortir ces messages clairement à mon collègue français, pour qu'il sache que l'opinion congolaise est en train de dire que c'est la France qui soutient le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo. Et bien, comme le message est passé, vous aviez suivi mon collègue qui a donné la position, pas de la France politique, mais du peuple français. Et il dit que le peuple français condamne cette agression et continue à faire pression. Et donc, il nous appartient à nous, Congolais, de prendre notre destin en main et de décider de l'avenir de notre pays. Tout ce que nous faisons, c'est peut-être le lobbying, mais la libération du Congo appartient aux Congolaises et aux Congolais. Et nous sommes capables.
Mais après avoir quand même écouté la voix de jeunes de FONUS, le député a quand même formulé qu'ils vont faire un plaidoyer. Effectivement, mon collègue est français. L'agression rwandaise. Mon collègue est français, Carlos, a été clair là-dessus. Il a été clair et je l'ai salué pour ça. Parce que, avec le Congo d'aujourd'hui, ce n'est plus le Congo d'hier. Je crois que nous avons une maturité politique pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Et je crois que mon collègue l'a compris. C'est ainsi que lui-même a dit que nous devons faire pression, continuer à faire pression jusqu'à ce que nous arrivons là où nous voulons. C'est-à-dire à demander les retraits purs et simples des forces d'agression rwandaises de notre pays. Et s'il y a, nous nous sommes condamnés à vivre ensemble de par notre création. Nous n'allons pas déplacer aujourd'hui les limites frontalières qui nous séparent avec le Rwanda. C'est notre destin. Mais le Rwanda doit comprendre que c'est en ayant la paix, en se respectant mutuellement, en respectant les lois internationales et les lois nationales que l'on paie entreprendre de bonnes relations, des relations de bon voisinage pour les bénéfices de nos peuples respectifs. Ce qui peut retenir dans le passage de la carte à FONUS est que le message de Nabiso, le message à Congolais est le qui. Carlos, bien que d'origine congolaise, mais c'est un député français. Et Biso, comme élu de la République démocratique du Congo, topessier position, il y a peuple congolais, au peuple congolais, au Kanisa, que France ils ont soutenir Kagame pour agresser Biso, agresser République démocratique du Congo, a pillé la richesse et à Biso. Et message à Carlos a été clair que peuple français a soutenir Kagame, peuple français a dénoncé agression. N'a pas de crime, n'a pas de conséquences, il y a Kagame dans la République démocratique du Congo. Mais si tu es là, tu es jeune, tu continues à travailler, tu as pression, pression et matalisus. Tu es là, tu es là, tu es là. Et tu es là, tu es là, tu es là. Pour sécuriser le cannabis, pour libérer le cannabis, et ça, il y a un paillaté. Faut que tu es là, tu es là. Tous les 9 frontières, il faut tous être capable à tout moment. Il y a réplique à ma casse ce qui m'ont amené. Et donc, n'engue Rwanda a zone mécana, a zone mécane des morts. Mais il faut un jour ou l'autre, to comme a peur musica. Pourquoi Kabiso va agresser Kabiso? Alors ceux qui osent agresser Biso, Biso peut être qui quoi agresser? Et donc il faut to comme à niveau un sécurité na Biso, libération na Biso, souveraineté en Boka na Biso. Papa y attendait par voyer la bissoua. Les abissou moko bana mboka toujours conscience. Tosi toujours conscience wana tango ba kota ki awati na Kinshasa. Ba kinoise na ba kinoa ba betaki bango ba simbaki bango samanduki ba kangi bango samanduki. Ça veut dire que c'est un peuple oyo azui destin na maboko. Donc lelo to intériorisé. Pour te biso ban soto se mobilise tolo baté que toza na nord qui vous toza na iturité toza na sud qui vous té faut to lata likambo ne koma ya biso toza la sima mapinga na biso sima ba service na biso ya défense ya sécurité totelema c'est constitutionnel article 63 ya constitution totelema biso nyon selon na ba moyen nyon soto za nango pour te to mettre Rwanda dehors. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informez sur notre devoir.